sur le plateau de TV sur Erdre avec aujourd'hui Madame Munoz qui va nous parler des ateliers qu'elle organise aussi bien à Creativa que dans d'autres structures d'associations. J'anime des ateliers sur Creativa dans différents domaines. Là sur le thème cette année c'est le détournement d'objets, donc cette année on a une petite présentation sur une carte postale ancienne et donc les élèves travaillent et personnalisent leurs travaux sur le lieu de l'atelier. Voilà, donc c'est un travail qui s'appelle l'éventail et je suis donc venue pour le détournement présenter des timbres anciens ainsi qu'une carte ancienne qui appartenait donc à ma grand-mère et que j'ai intégrée au niveau de l'atelier. Le travail consiste, si vous voulez, à découper tout ce qui est cartonnette, carton à biseau, carton de fond et réaliser en 2 heures ce cadre. Vous voulez nous présenter également d'autres travaux ? Voilà, travaux plutôt ? Voilà. Je travaille dans différentes associations au sein de Nantes, travailler sur Basse-Golène également et sur le centre-ville de Nantes. Où j'ai une 70 à peu près personnes qui viennent à différents horaires, sur différents temps de durée, des cours mensuels, des cours hebdomadaires, le soir également, où les personnes m'apportent leurs travaux, donc leurs gravures personnelles. Il n'y a rien imposé, c'est vraiment des travaux qui sont uniquement... je travaille sur tout ce qui m'est apporté au niveau des élèves, suite à des voyages, suite à des cartes anciennes, des documents, des aquarelles, des coquillages, tout ce qui est possible d'encadrer. Voilà. Qui est venu donc apporter au sein d'une gravure qui lui est chère puisque son neveu a gagné l'Oscar à San Francisco et donc elle a eu un document qui était dédié, il a eu l'Oscar cette année. Donc elle est venue détourner des touches de portables, des composants électriques, des petits boulons et également des extrémités de négatifs, voilà, pour rester dans le thème et bien sûr travailler avec un cuir, puisque le personnage est bien sûr en cuir, travailler avec. Et vous travaillez également avec de la porcelaine, je vois ça là-bas. Alors là, voilà, c'est une élève qui est allée, je crois, c'est sur Lisbonne ou Porto, je ne me souviens plus, et donc on est venu travailler. Vous avez le cadre qui est le carrelage qui est au milieu et on est venu donc travailler tout autour de façon à mettre quand même en valeur, c'est surtout le document et venir travailler tout ce qui est technique d'encadrement, alors qui peut aller du plus simple au plus compliqué. Alors donc en général, la première année, on fait un travail plutôt de coupe, de collage, de façon à ce que le thème c'est que les gens se débrouillent seuls par la suite. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de pouvoir faire découvrir surtout les travaux. Et n'hésitez pas à aller donc voir le stand de l'exposition qui est au rez-de-chaussée et de venir participer à l'atelier qui aura lieu donc à 13h cet après-midi à Creativa. Voilà. Donc on rappelle à nos internautes, donc 13h cet après-midi et également sur votre site internet. Voilà, merci. Alors mon site c'est isoline_munoz@yahoo.fr. Parfait, on le rappellera d'ailleurs pour nos internautes sur un petit post. Merci beaucoup, merci de m'avoir accordé quelques moments. Merci à vous. Merci.